In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Almighty God, dear Heavenly Father, on this Sunday morning, ce dimanche particulier, nous venons dans une circonstance particulière. Nous ne pouvions pas nous réunir dans ta maison, dans notre église, mais nous venons ensemble, unis en prière et en esprit. Nous venons ensemble pour louer ton nom et pour t'adorer. Nous croyons que tu es le Tout-Puissant. Tozali kondima ete ozali abokasi inso. Tozali kondima et nous te remercions. Ete ozali tata na biso ya likolo. Mais ozali kotonda yo tata ya likolo na ndenge ozali kosunga biso. Tozali kotonda Jésus Christ mwana na yo. Oyo akufaki po na biso. Qui nous a révélé que Tondi yo molimo santo. Et de miséricorde et de grâce. Oyo alimbo elibiso te nzambe azali nzambe ya bolingo pe ya ngulu. Tozali kotonda yo Nantine te to moni yango mbalebele. Pour ceux qui sont tata tozali kobondela elongo pona baye bakofeli baye babongisi balinga mina bango bondisa bango. Nous prions pour ceux qui sont bakoni pe mabota na bango et ceux qui sont concernés bondeli mpona baye bazali na mawa pe baye bazali kotungisa mana nzela kozanga misolo. Tobondeli mpona baye bazali koluka biloko akolia mpona mabota na bango. Tozali komona pasi elongo ete tokoki kosangana na molei mosanto te mpe tokoki kokutana ata te okati ya ndako na yo na eteni ya losambo. Molingami tata wa likolo, toza na mposa ya lisalisi na yo biso banso. Toza na mposa ya libondi na yo mpe olendisami na yo. Toza na mposa ya kimia mpe ngolo na yo. Pesa biso yango. Misuki na biso banso eza na yango mposa. Malamu opesa biso yango. Pesa nzela na balingami ya mboka ya ngambo bapambola melongo na biso. Pesa biso bolandi losambo na nzela basinga na ndenge esengeli. Banso toyeba komona penza lipamboli na yo epai biso. Yokela biso nkombo ya Yesu. Amen. Pour ce service divin, balingami mibali mpe basi, pona losambo oyo, toza na liloba kati ya mokanda ya Nzambe na mokanda ya Yohane, nzela ya zomi na mine, mokapo ya mitano mpe ya motoba. Toma alobi na ye, Nkolo, toyebi bisika yo ozali kokende te, boni tokoyeba nzela. Yesu alobi na ye, nazali nzela, nazali solo mpe bomoi. Moko te akoki koyeba epai tata na ngai, soki aleki epai na ngai te. Bofanda. Oh,
Bien-aimés frères et sœurs, partout où vous pouvez vous retrouver. Je me réjouis que nous puissions prendre part à ce service divin. Selon le programme, je devais être en Afrique du Sud, au milieu d'une grande communauté, me réjouissant d'une grande chorale. Mais maintenant, je suis ici, dans une communauté vide, avec quelques frères, vous êtes à la communauté Nangai, Polele. Je dois avouer que ça doit être triste et décevant, mais je me réjouis que nous pouvons prendre part à ce service divin, parce que mon besoin était d'être uni en esprit avec vous, être uni avec vous en prière. Et partager la bénédiction de Dieu et la grâce de Dieu. Je suis physiquement coincé à Strasbourg, en France, mais mon France. Kasi makanisi nangai, motema nangai ezali na Afrika elongo na bino. Oui. Na fandi sa mesika moko ezaya solo, mais j'ai beaucoup de temps pour ya lolenge na yango sur les choses que j'aurais pu faire avant. Kasi na zwingonga ya kosala makambo mususu na koyi kosala liboso. Par exemple, koyi kosala mpe lipamboli, les enfants se moqueront de moi. Ndakisa ya li solo moke bana bakoyi koseka ngai mbulo eleki fleur et nous étions supposés s'aimer. Mais je n'ai pas eu le temps. Mais maintenant, j'ai pu le faire. Alors, j'ai planté les semences. J'ai mis de l'eau. Bongo, na loni milona nangai, na bwaki mai. J'ai arrosé et j'ai fait, j'ai attendu. Na sopeli yango lisusu mai. J'allais à ses pots. Na zeli. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Tongo nyonso nazo kende kotala. Deuxième, troisième, une semaine. Il n'y avait rien. Mokolo aliboso ya mibale ya misato poso moko eloko moko esalamite. Alors j'étais quelque peu mal à l'aise. Bongo na bandaki koyoka mabe na motema. Ça ne marche pas. Na yekoloba batekelinga milona ya mabe eza bongo te. Je dois admettre que je n'ai pas considéré que j'avais peut-être fait quelque chose inapproprié. Na sengeli kondima. J'ai pas eu le temps pour cela. Ete na salaki eloko mosusu ya malonga te. Après deux semaines, quelque chose est arrivé. Sima ya poso mibale, j'ai vu une petite plante, quelques petites feuilles. J'étais heureux. Et quand je regardais, j'ai dit, mais ce n'est pas les fleurs que j'attendais. Ça ne ressemble pas à la photo des fleurs sur la boîte des semences. J'étais encore mal à l'aise. Et je me suis dit, ils m'ont vendu de la semence de mauvaise qualité. Et quand j'ai vérifié dans l'internet, j'ai vu que ce n'était qu'une phase du développement et que les fleurs arrivaient à maturité. Ça, ce n'est qu'une histoire. Mais la photo est une histoire qui m'a permis de reconsidérer ma manière de prier. C'est une belle image pour nos prières. Nous avons l'habitude de considérer nos prières comme des commandes. Nous avons des besoins, nous les présentons devant Dieu en prière. Nous avons placé notre commande et nous attendons que Dieu vienne délivrer ce que nous lui avons commandé dans quelques jours. Et souvent nous considérons nos prières donc comme des commandes. Et Dieu bongo, doit délivrer le plus vite possible. Mais ces jours, j'ai pensé peut-être que nous devions considérer la prière comme la semence que nous plantons. Chaque fois que nous prions, c'est une semence que nous avons plantée. Et nous faisons confiance en Dieu, nous lui avons donné, nous lui avons confié cela. Et Dieu commence à travailler. Et bien souvent, nous ne voyons rien. Et parfois, nous sommes mal à l'aise. Dieu n'a pas entendu. Rien ne nous arrive.
Nzambe ayoki losambo na biso te eloko ezosala mate. Après un certain temps, kasi Nzambe azali kokoba kosala quelque chose qui bongo sima ya mongonga. Mais ce n'est pas ce que nous attendions. Nous attendions mieux. Mais faites confiance en Dieu. Et la plante commence à grandir. Si nous avons prié comme il faut, Dieu pourvoira à nos besoins. Faites-lui confiance. Peut-être que nous sommes dans la phase où rien ne se voit encore. Mais si nous avons semé comme il faut, avec foi, avec crainte de Dieu et confiance, Dieu va exaucer la prière et il va y répondre, il va pourvoir à vos besoins. Ça, c'est l'histoire des fleurs. Maintenant, ce matin, nous avons entendu une parole à propos de Thomas. Quand Jésus a commencé à expliquer à ses apôtres qu'il devait aller à Jérusalem, ils ont essayé de le décourager. On va te tuer, il ne faut pas aller, tu seras tué. Alors ils ont essayé de l'en dissuader. Et finalement, Thomas, parce qu'il aimait le Seigneur, et qu'il ne pouvait pas s'imaginer laisser le Seigneur aller seul à Jérusalem, il a dit aux autres disciples, ok, je le dis en mémo, allons avec lui, et comme ça on va mourir avec lui. Il était résolu à suivre le Seigneur. Ils sont allés à Jérusalem, et quand ils étaient là, beaucoup de choses inattendues sont arrivées. C'était quelque peu étrange. Quelque chose est arrivé. Les disciples ne pouvaient plus comprendre. Judas a trahi le Seigneur. Jésus a dit à Pierre qu'il allait le renier. Il a dit aux apôtres, vous ne pouvez pas me suivre, vous ne pouvez pas aller où je vais. Tout ça devenait quelque peu étrange. Thomas et peut-être tous les apôtres étaient dans la confusion totale. Et il se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va? Ah, nous ne connaissons où tu vas. Alors, comment nous pouvons connaître le chemin? Qu'est-ce que nous devons faire? Ils étaient perdus. Et c'est là que la réponse du Seigneur est arrivée. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Je suis certain qu'ils n'ont pas compris exactement. Nazali na boyebi asolo ete ba manyola ki ango penza te. Ils ont pu comprendre. Kasi na bien sima, mes frères et sœurs, pendant yango, ces jours, balingami mi balimpe basi na mwa mikolo yo. Nous faisons la même expérience. Nous avons pris la décision de suivre to le Seigneur. Nous makambo, nous voulons lui rester fidèles. To nous voulons aller avec lui. To là où il va, nous voulons aller, nous le suivons. Mais dans l'entretemps, les choses changent. Kasi, et makambo, nous devons faire face aux choses inattendues, à des situations inattendues. Mbe, des choses que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas ce qu'il est en train de faire. Où est-ce qu'il veut aller? Et Jésus nous donne la même réponse. Ne craignez pas. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Et ça, c'est la consolation à travers le Saint-Esprit. Pour Anna, Ezali, Libondi, Nanzela, Yamoli, Monsanto, pour Nabiso Banso, Namikolo, Yezu, Azalinzela. Gasolo, Oyoki, Ayambo, Ezaliete, Mokote, Kende, Paya, Yezu, et Paya, Nzambe, Soki, Aleki, et Paya, Yezu, Te. Pour Nako, Kota, Nabokon, Zambe, Tosengeli, Kolanda, Kolo, Kondime la mate yanaye, osale lampe mate yanaye. Bona kokota na bokonzi ya Nzambe, tozana mposa ngolo na ye, mpe bomika bina ye. Soki yete, tokoyi kosale lokote. Mais wana ezali oyoki ya mozindo penza. Que nous devons kasi nazali nzela elingi koloba, suivre son exemple, tosengeli kolanda ye, qu'il est notre modèle, kolanda ndakisa na ye, et que nous devons l'imiter.
Nous devons conformer notre vie à son exemple. Je peux citer quelques événements de sa vie. Il était conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il n'avait rien à manger. Il a jeûné pour 40 jours. C'est difficile à imaginer. Après 40 jours de jeûne, il devait être très affamé. Et c'est justement en ce moment que Satan est venu pour le tenter. Et le but de Satan était de détruire la relation entre lui et Jésus et Dieu. Il voulait abîmer son amour, sa communion avec le Père. Mais malgré le fait qu'il était affamé et très fatigué, Jésus a résisté. Son amour pour Dieu était plus grand que la faim et la souffrance. Il n'a pas eu à souffrir que physiquement, mais il a souffert aussi des injustices. Il était totalement innocent. Mais il était condamné à mort. Barabbas, le véritable criminel, l'affreux et le méchant, était libéré. Pensez-y. Cela a été une grande souffrance pour Jésus. Il était maltraité et traité de manière inéquitable et injuste. Il était maltraité. Et à la fin de sa vie, il a souffert de se sentir abandonné par son père. Et il a exprimé sa grande tristesse à travers cette question. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était une grande souffrance. Ça, c'est le chemin. Nous ne pouvons pas nous comparer à Jésus ni à ses souffrances. Ce serait un manque de respect. Néanmoins, pensons à notre situation de nos jours. Nous souffrons d'une certaine famine spirituelle. Nous ne pouvons pas célébrer la Sainte-Cène ni les services divins. C'est une souffrance, une famine spirituelle. Je suis conscient que beaucoup des frères et des sœurs, beaucoup des personnes se battent pour trouver la nourriture. Je ne parle pas de la nourriture spirituelle, mais de la nourriture physique. Ils luttent pour pouvoir aux besoins de leur vie quotidienne. Ils ne peuvent pas trouver même de quoi subvenir à leurs besoins fondamentaux. Parlons des traitements injustes. Quand je pense particulièrement à l'Afrique, parfois, c'est très difficile pour moi de comprendre notre Père Céleste. Et moi aussi, je lui pose la question. Pourquoi toujours les mêmes personnes qui doivent souffrir? Pourquoi ces personnes doivent souffrir de guerre, des maladies? Justement, les pauvres qui n'ont rien, ils sont impliqués dans des guerres. Il y a des inondations, il y a la sécheresse, des maladies. Ils font des expériences jour après jour. Ils connaissent l'adversité. Et cela est vraiment injuste. Et pourquoi cela? Il n'y a pas de réponse.
Et à nos réponses, Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Je vais vous conduire dans mon royaume. Et dans mon royaume, vous serez délivré de toute souffrance. Je suis le chemin. Je veux vous délivrer de toutes ces souffrances. Si vous restez fidèle, si vous restez ferme dans la foi, dans l'amour et dans la confiance, vous allez entrer dans mon royaume. Et je vais vous délivrer. Je suis le chemin. Je suis le chemin dans les temps difficiles aussi. Suivez mon exemple. Conformez-vous à mon modèle. Aimez votre prochain. Il veut nous conduire au-delà de nos espérances. De notre prochain à travers l'exemple de Jésus. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Cela, c'est d'un point de vue théologique, parce qu'il nous a révélé comment Dieu est. À travers Jésus, nous pouvons connaître Dieu. Il nous a révélé Dieu, sa volonté, comme ils sont. Mais un autre Azali sens solo. Est que Jésus est la vérité Kasi, parce que son enseignement est vrai, sa parole est vraie, pas toujours facile à croire. Rappelons-nous, il a dit à ses disciples, je ne suis pas seul, mon Père est avec moi, ne craignez pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Quand il était arrêté, quand il est tué, il a dit je vainc le monde, mais le monde a vaincu la bataille, il mourait sur la croix. Mais plus tard, quand ils sont rentrés, ils ont réalisé vraiment la vérité. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce propos aujourd'hui? Jésus a enseigné à ses apôtres. Je suis avec vous toujours, jusqu'à la fin des temps. Très belle promesse. Les apôtres ne sont même pas capables de célébrer les services divins. Ils ne peuvent même pas dispenser les sacrements. Jésus nous a enseigné comment prier. La prière du Notre Père. Jésus a enseigné comment prier la prière du Notre Père. Tata a quoi il copie ce bino libanga te ce qui a pesé à vos cinq Nous avons prié
nous demandons Kasi la communion et jusque-là, nous n'avons rien eu. Est-il toujours la vérité? Jésus nous dit, faites-moi confiance. Je suis la vérité. Ma parole ne passera pas. Et elle reste la vérité. Il est écrit dans le livre des Proverbes. Croyez dans le Seigneur de tout votre cœur. Et ne vous fiez pas à votre compréhension. Et beaucoup de fois, je dois faire avec cette parole. Elle est belle. Croyez dans le Seigneur. Faites-nous confiance avec votre cœur. Ne vous fiez pas à votre compréhension. Notre compréhension n'a que des questions, des points d'interrogation. Et elle n'est pas capable de trouver un début de réponse. Faites confiance et croyez en Dieu, dans le Seigneur. Pensez à Jésus. Il est mort pour vous. Pense à tout ce qu'il a fait pour toi. Ce qu'il a fait, ce qu'il fera, fais-lui confiance. Il te dit la vérité. Sa parole. Et retiendra la vérité. Fais-lui confiance à Jésus. Et Jésus dit, je suis la vie. Chers frères et sœurs, cela signifie Jésus est le vivant. Il est ressuscité de la mort. La mort ne pouvait pas le retenir. Il a été le plus fort. Il est la vie. Parce qu'il est la véritable vie. Il a vécu dans la communion avec Dieu son Père. Et ça, c'est la véritable vie. Être un avec Dieu, avoir la communion, c'est la véritable vie avec Dieu. Et c'est ça la vie qu'il veut nous donner. Il veut nous donner sa vie pour que nous soyons capables de vivre en communion avec Dieu en éternité. Il veut nous donner sa vie pour nous de faire l'expérience que nous sommes un avec Dieu. Il est aussi notre assurance vie. Rappelez-vous un jour, le Seigneur a dit, celui qui entend ma parole et la pratique, la met en pratique, il est semblable à un homme qui a construit sa maison sur le roc. La tempête est venue, l'inondation est venue, mais sa maison n'est pas tombée. C'est ça notre assurance vie spirituelle dans ces temps difficiles. Nous restons fidèles et nous conformons à la volonté de Dieu et nous pratiquons la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Nous remercions Dieu, nous pouvons lire la parole de Dieu. Et nous la pratiquons. Et si nous la mettons en pratique avec tout notre cœur, avec toute notre âme, avec foi et amour, notre maison ne tombera pas. Chers frères et sœurs, c'est ça le message aujourd'hui. Dans cette situation difficile où nous ne pouvons pas tout comprendre. Beaucoup de choses ne sont pas expliquées. Nous allons dans la voie, le chemin de Jésus. Nous suivons son exemple. Nous restons fermes dans la foi, dans l'amour. Et nous faisons confiance. Nous allons faire confiance à Dieu.
Alors, prenons une petite pause. Amen. Et nous pouvons nous réjouir d'un extrait de musique. Pema, moi, moke, et Olanda, et Teni Anzembo. Beloved brothers and sisters, bien-aimés frères et sœurs, nous avons encore l'occasion en ce jour de réciter la prière de notre Père ensemble. Même si nous sommes séparés, nous pouvons prier ensemble en esprit. Alors, je reviens à mon histoire de fleurs. Nazali kozongela lisolo na ngai ya bafololo. Comme la semence et la prière du notre Tozo Père. Losambo lokola milona. Quand vous plantez losambo tata na biso ya likolo ezali lokola milona. Soki oloni bafololo ekobimo sepeli ezali kitoko. Sima ya mwa baposo moke ezali kokauka esengeli kobwaka yango. Semence. Mpe esengeli kolona bafololo mosusu. Wana ezali pona bafololo. Mais si vous plantez un noyau de mangue, vous aurez bongo soki oloni mokokoli ya manga. Cela va prendre beaucoup plus longtemps. Je ne sais pas combien d'années. Ekozwa mongonga na yebite bambula boni. Mais ça prend des années. Pona koya komona manga ya liboso yebima na yebite zozo bambula kasi soki nzete esi ekoli vous attendez longtemps okoyi kobanda kozwa bambuma pendant plus longtemps mikolo nyonso ya bomoi okozela eleko molayi kasi okobanda kosepela nango na mibu ebele milona ezali ebele na kati ya losambo ya tata na biso ya likolo. Tozali kobondela limbisa mabe na biso lokola tolimbisaka ba oyo basaleli biso mabe. Soki tozali na bosolo pe tobongoli mitema soki tosali makambo lolenge esengeli tozali na bolimbisi ya masumu sasaipi. Encore la semaine prochaine, nous aurons besoin de la du pardon des péchés, mais nous l'obtiendrons aussi. Ça c'est très important. Tozali kobondela dans kotika biso kati ya mabete. Ezali na moto ya makasi. Jésus dans le désert. Na kati ya mikolo yo. Nous pouvons être bokanisa lisolo ya Yesu kati ya esobe. Tozali na nzala, tokoyi kozala na mpasi, tokoyi komona mitungisi. Tozali kobondela po ete Nzambe apesa biso makasi ya kokweya kati ya masengenia te.
Songa biso toti kalabayenge beni ata kompasi pe mitungisi. Losambo ya bongo nkolo azali koyanola yango soki tozali na bosembo soki tozali bayenge beni mpe tozali kotiela ye motema akoyanola na losambo wana akosunga biso na kati ya poso mobimba totikala bayenge beni mpe tokoya kati ya masenginya te kobatela bomoko na biso na tata na biso ya likolo tozali kobondela lisusu Bokonzi na yo eya. Wana ezali kozwa mwa ngonga molayi. Yezu alaka kete na kozonga. Na kozwa bino mpe bokokota elongo na ngai kati ya bokonzi na ngai. Kasi alaki yango uta kala. Tozali kozela uta kala. Kasi eloko moko ezali kosalema te. Tiela ye motema. Azali kosala. Makambo ezali kosalema ezali kopusana mbala mosusu bozali komona yango te kasi Nzambe azali kosala losambo na yo ekoyanolama bokonzi na ye ekoya mpe lisusu okoyeba kosepela mpe komona bolamu ya bosembo kaka mpona bomoi na yo te kasi mpona seko na seko Bomoni, comment nous pouvons considérer Ezalinda kisa ya moke. Lolenge kani to sengeli kozwa pour la prière. Mbana losambo na biso. Et le pardon na komilengela nantina losambo ya tata na biso mpe bolimbisi ya masumu tokoyemba elongo nzembo. Ezami na kati ya mokanda ya nzembo numéro 376. Now let us stand up and say the prayer. À présent, levons-nous et récitons la prière. Sika, tout élément avance.
tosambela losambo oyo nkolo ayekisi biso. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'il appartienne. Dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. À présent, je vous annonce l'heureuse nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, vos péchés sont pardonnés. Puisse la paix du ressuscité reposer sur vous. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père de grâce, Père de bonté, Père d'amour et de miséricorde, nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions de prendre soin de lui. Nous remercions notre Seigneur Jésus pour son sacrifice et le salut qu'il nous a préparé. Nous remercions le Saint-Esprit pour son orientation et sa consolation et son aide. Nous prions pour le peuple de Dieu. Bénis-les. Bénis et protège les apôtres dans leur mission et dans leur travail. Et bénis leurs collaborateurs, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et de ta force et de ta paix. Nous prions pour toutes les communautés, pour tous les enfants de Dieu. Réconforte-les et réconforte leur foi. S'il te plaît, dès que possible, permets-nous de faire l'expérience des services divins. Permets-nous de célébrer la communion, la Sainte-Seine. Cela est notre désir. Nous en avons besoin. Chers Pères Célestes, nous prions pour le peuple qui souffre à travers le monde. Pas seulement qui souffre pour le coronavirus, mais pour d'autres raisons. Il y a beaucoup de souffrance à travers le monde. Tu es le seul qui puisse aider. Fais-le, s'il te plaît. Accorde-leur ton aide et aide-les. Nous prions pour nos bien-aimés de l'au-delà. Réconforte leur foi et qu'ils fassent l'expérience qu'ils ne sont pas oubliés. Et maintenant, à présent, cher Père, tu connais toutes choses. Nous te faisons confiance. Nous savons que tu nous aimes et nous t'aimons. Pourvoir aux besoins quotidiens de tes enfants, bénis leurs offrandes, leur engagement et toutes les choses qui sont faites par amour pour toi et pour le prochain. Et bénis l'engagement de ton peuple. Accorde-nous au-delà de ce que nous t'exprimer en parole. Nous te l'avons demandé dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Amen. Et maintenant, chers frères et sœurs, je vous remercie d'avoir été connectés avec nous. Je ne peux pas vous voir, vous me voyez, mais je peux ressentir la communion du Saint-Esprit. Je ne peux pas l'expliquer, je le sens. C'est une affaire de cœur et d'âme. Je vous souhaite à vous en Afrique, en Amérique du Nord, partout où vous êtes, que Dieu vous aide et vous bénisse. Nous prions pour vous, priez pour nous,
Et avec l'aide de Dieu, nous allons y arriver. Et en conclusion, nous allons chanter ensemble le cantique 280 dans le hymn collection en anglais. 280. Thank you so much. Bye. Matondo mingi kino bokuta ni bosusu.